Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette première plénière donc, de la dernière journée du colloque national éolien, donc l'édition 2019, vous le savez, la 10e édition. Je vais vous demander tout de suite de bien vouloir accueillir pour débuter donc, cette journée, accueillir donc Yann Arthus Bertrand, photographe, reporter, réalisateur, président de la fondation Good Planet, donc, que j'invite tout de suite à venir me rejoindre sous vos applaudissements. Et qui va nous livrer donc son regard de grand témoin de la situation environnementale et une invite au changement durant cette présentation intitulée Vue du cœur. Monsieur Arthus Bertrand, c'est à vous. Merci. On peut baisser un peu les lumières sur moi, s'il vous plaît, pour être moins éclairé. On peut baisser les lumières? C'est possible ou pas? Génial. Je vous vois là maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'étais ravi d'être là. J'étais un peu en retard, j'étais faire pipi, c'était assez loin au bout. Là. J'ai croisé tous les stands d'éoliennes et j'étais ravi. Je n'ai jamais vu tant de stands d'éoliennes et ça me faisait chaud au cœur. Donc je suis vraiment ravi d'être là. Alors je vais vous parler de ma vie. Comment j'en suis arrivé là. J'ai 73 ans et depuis presque un peu plus de 50 ans, je m'intéresse à la nature et aux animaux et notre environnement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat n'est pas terrible. Alors, je vais peut-être un peu vous plomber votre matinée, je suis désolé. Tant ça va vous donner envie de réagir. Alors, vue du cœur, pourquoi? Parce que je pense que d'être un écolo, c'est bien sûr d'aimer les arbres, d'aimer les oiseaux, d'aimer les animaux, mais c'est surtout d'aimer les gens, quoi. Ça, c'est important, et je crois que l'écologie politique l'avait un petit peu... Et souvent, les écolos l'oublient un petit peu, que ce qui est le plus important, c'est d'aimer les gens. Ça, donc, c'est une photo que vous connaissez tous, de la couverture de mon livre, c'est une forêt de mangroves. Mangroves, c'est une forêt qui pousse dans la mer. Et c'est simplement une île qui était en forme de cœur, et donc la mangrove a poussé autour. J'en croyais que c'était fait par ordinateur, mais pas du tout. Et cette photo, c'est drôle, parce que quand je l'ai faite il y a 25 ans, j'avais pas pensé qu'elle ferait un jour la couverture d'un livre. Bon, c'est une photo amusante, c'est un cœur. Et quand on a fait le livre La Terre vue du ciel, on cherchait un symbole. Et voilà, on a trouvé ce symbole, et cette photo est devenue très connue. Alors, quand j'avais... 20 ans, je me suis occupé d'une réserve et j'avais élevé énormément d'animaux. Et on était très spécialisés dans les animaux qui avaient été élevés par l'homme. Et j'ai élevé une dizaine de lions, des tigres. Et mon rêve, c'était un jour de partir étudier les lions au Kenya, un peu comme Jane Goodall. Vous connaissez Jane Goodall, hein, qui était une primatologue formidable, qui est mon idole, et qui était partie jeune scientifique travailler sur les chimpanzés. Alors c'est très particulier ce qu'elle avait fait, parce qu'elle donnait des noms aux chimpanzés, elle ne leur donnait pas des numéros comme tous les scientifiques. Et vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a amené énormément dans la connaissance des animaux. Alors il y a un truc qui est formidable en France. Moi, je suis très très mauvais à l'école. J'ai fait 14 écoles, un peu un record. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai quitté la réserve dans laquelle j'étais en France. J'ai voulu faire une thèse, un doctorat. Alors, ce qui est formidable en France, c'est même si vous n'avez aucun diplôme, vous pouvez passer un doctorat. Si vous avez un directeur de thèse, vous ne pourrez pas enseigner, mais vous serez scientifique. Et donc, avec ma femme, Anne, on part au Kenya faire une étude de comportement sur les lions, exactement comme Jane Goodall l'avait fait sur les chimpanzés. Alors, c'est formidable. J'ai fait un truc inouï. J'ai construit ma maison moi-même au Kenya. Ça, c'est un truc formidable, de construire sa maison. Alors, au Kenya, c'est facile, hein, des marteaux, des clous, du bois. C'était ma femme, Anne, avec ses deux petits garçons que j'avais trouvé tout fait. J'étais très amoureux, j'ai vécu 3 ans là-bas. Et on était très très proche des Maasai. Déjà, il y avait ce contact animaux et des humains. Et ce qui est intéressant avec les Maasai, par exemple, pour parler de l'herbe, ils ont une trentaine de mots différents, rien que pour l'herbe. Un peu comme les Inuits ont beaucoup de mots différents pour parler de la glace. Et ce qui est formidable dans le Maasai Mara, dans ces grandes réserves africaines, c'est que les animaux n'ont pas peur de vous. C'est un peu que moi j'habite en bordure de forêt de Rambouillet, j'adorerais que les cerfs et les biches soit comme ça, qu'on puisse les approcher sans causer peur, qu'il y ait un peu moins de chasseurs, qui terrorisent les animaux depuis très longtemps. Et donc, tous les jours, on suivait une famille de lions, en regardant leur comportement. Et j'ai eu la chance formidable de demander à mon directeur de thèse, qui s'appelait Pierre Feffer, de le faire en photo. Ma femme écrivait,
Parce que moi, je suis assez nul en orthographe et j'ai du mal à écrire. Et donc, j'ai fait ça en photo. Et c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie. Ce sont les lions qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui avec cette... j'ai appris ce que c'était que la beauté naturelle, la beauté évidente, la patience. Moi, qui étais quelqu'un de plutôt énergique. Et cette famille, de vivre au bout de cette famille de 17 lions, ont complètement transformé ma vie. Il y a un truc formidable. Si vous voulez passer des vacances au Kenya, je vous conseille d'aller dans le Maasai Mara en août, où les migrations de gnous, il y a des millions de gnous qui traversent la rivière. Et c'est vraiment un spectacle inouï. Et à ce moment-là, les lions, qui normalement ne chassent jamais, parce que les lions rentrent dans un groupe de femelles et se font nourrir par les femelles. Et donc, avec les gnous, c'est bien facile. Donc, je me souviens, ce jour-là, ils tuaient les gnous d'une façon très facile, comme si moi aussi, je peux tuer des animaux. Mais en fin de compte, le lion rentre dans les groupes, le territoire appartient aux femelles, et les lions, les mâles, ne sont que des hôtes de passage. Voilà, ça, c'est la femelle qu'on adorait, qui était le chef du groupe, avec un côté très chef de famille, très, très convaincant. Pour reconnaître les lions, on compte les poils de moustache. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît les lions. Voilà, on avait environ une centaine de fiches comme ça, avec tous les lions marqués en fiches. Ça, c'est une photo très connue que j'ai faite. Et cette photo, je ne l'ai pas vue quand je l'ai faite. Parce que comme on travaille du Kodachrome, donc les films étaient développés en France presque 10, 11 mois après que je sois arrivé. Donc je voyais mes films en arrivant. Donc je faisais des photos sans savoir ce que je faisais. Et c'était un peu frustrant, mais bon, c'était comme ça. Et vraiment, c'était à cette époque-là vraiment que je me suis formé à la photographie, sans savoir ce que je faisais, ce qui est assez étonnant. Bien sûr, quand on regarde ces photos, on en parlera encore. Quand j'ai travaillé sur ces lions, ils étaient 450 000 environ en Afrique. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Dans toute ma vie, j'ai vu ces chiffres-là arriver. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment, parce que pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas vivre avec des grands prédateurs. Regardez le problème des loups en France ou des ours, le problème que ça cause. Eh bien, au Kenya, c'est un peu la même chose. Au Kenya et dans toute l'Afrique, le lion, un chasseur, un grand prédateur, ne peut pas vivre avec les animaux d'élevage de l'homme. C'est tout à fait évident. Et pour gagner ma vie, parce que bien sûr, je n'étais pas payé pour faire ça, j'étais pilote de montgolfière et tous les matins, j'emmenais les touristes, enfin, tous les matins, quand il y avait des clients. Et donc, c'est là où j'ai découvert la photographie aérienne, c'est là où j'ai découvert l'importance de la photographie pour le territoire. Aujourd'hui, on a tous sur nos téléphones la photo de notre maison par Google Earth. À cette époque-là, on n'avait pas ça. Donc la photographie aérienne était quelque chose de très, très nouveau, voilà, qui était carrément indispensable dans une vie au quotidien. Et c'est fou ce que ça a changé aujourd'hui. D'ailleurs, tous les photographes aujourd'hui ont leur drone dans leur sac, donc tout le monde fait de la photographie aérienne. Mais surtout, c'est incroyable comme la photographie aérienne est sur nos téléphones portables dans notre poche tous les jours. À cette époque-là, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà, donc j'emmène les touristes tout le temps. Et ça, c'était la rivière, par exemple, sur laquelle on avait construit notre maison. On voit bien toutes les découvertes, vous voyez, vues du ciel. Ce n'est plus du tout la même chose que quand vous êtes en bas avec votre voiture à faire des photos. Alors, quand je rentre et tout de suite, je vends mes photos d'animaux, de lions à Paris Match, Figaro Magazine, National Geographic, et je me dis, ben, je ne vais pas devenir scientifique, je vais devenir photographe. Ça me paraît plus facile et ça me permettait d'aller peut-être faire plus de choses. Et mon premier travail, c'était un livre sur Paris, et j'ai adoré faire ce livre, parce que je me suis aperçu que faire un livre sur Paris, c'était aussi intéressant que, en fin de compte, de travailler au Kenya, parce que c'était ma ville. Et je vois bien l'intérêt des gens qui regardaient sur le plan où habitait leur grand-mère, la boulangerie. Il y a vraiment quelque chose dans la photographie aérienne qui amène aux gens qui regardent les photos quelque chose de très personnel. Et puis pendant 10 ans, je suis photographe, surtout sur la nature, et je travaille un petit peu, je fais le tour du monde en permanence. Alors là, pendant ces 10 ans, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait, mais je vais raconter une petite anecdote. Un jour, ma femme a un très très grave accident de voiture, elle est enceinte. C'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer. Un jour, on arrive de chez mes parents de Noël, et en déchargeant ses cadeaux de Noël, il y a une voiture qui arrive par derrière et qui lui écrase les jambes entre deux voitures. Miracle, ce n'était pas si grave que ça, mais c'était comme assez important. Donc elle va à l'hôpital, elle reste 3 mois à l'hôpital, elle accouche à l'hôpital, mais moi je m'occupe du bébé complètement, parce que ma femme ne pouvait pas s'en occuper. Et je passe 4-5 mois à m'occuper du bébé, puis un jour on m'appelle et me dit... Alors je m'occupais du bébé la nuit, hein, la journée, quelqu'un qui gérait ça, ma femme pouvait un peu s'en occuper. Et
quelqu'un m'appelle, est-ce que tu veux aller voir Diane Fossey au Rwanda. Diane Fossey, cette femme incroyable qui avait travaillé sur les gorilles, un peu le pendant de Jane Goodall sur les chimpanzés. Et je lui dis, ben, je ne peux pas y aller, je m'occupe de mon fils. Et ma femme me dit, écoute, ça va, ça fait 4 mois que tu es là, je te sens un peu impatient, vas-y, pars, vas-y. Et donc, je pars au Rwanda, et en partant, sur une péniche, ma femme glisse, elle tombe, je vais la ramasser, et je me coince le dos. Mais je me coince le dos, vraiment, le vrai coinçage, quoi. J'étais complètement comme ça. Et je pars au Rwanda, complètement cassé en deux. Et là, c'était assez extraordinaire, parce qu'au Rwanda, Jane Goodall avait vraiment... habitué, un peu comme Diane Fossé, habitué les gorilles à elle. Et c'est incroyable d'avoir un animal sauvage, si important, si même dangereux, hein, qui s'approche de vous, qui n'a pas peur de vous du tout. C'était assez fascinant. Je me souviens qu'à un moment, il y a un gros mâle qui s'était endormi sur mon pied en ronflant. Et ça m'avait vraiment... J'ai tellement été ému, je pleurais de joie d'être tout seul avec des gorilles. Comme cette relation incroyable d'un animal sauvage qui n'a pas peur de vous, c'est quelque chose d'assez inouï. Les petits venaient sur moi. Et Diane Fossey m'avait demandé de ramener tous les jours, je ramenais les crottes des gorilles dans un bocal, elle les faisait analyser. Et selon les crottes, elle savait quelles étaient les gorilles que j'avais vues. Et puis un jour, j'avais toujours très très mal au dos. Mais vraiment, je souffrais beaucoup. Et puis un jour, j'ai un petit mâle assez gros quand même, hein, pas un petit... qui me fait une parade d'intimidation démente. Parce que le mâle dominant, qui a le dos gris, s'était mis, avait été parti dans les fourrés avec une femelle. Et là, il me fait une parade, il casse des branches, il me tape sur le... Et là, j'étais mort de trouille, il me donne un grand coup dans le dos et il me remet ma vertèbre en place. L'histoire est véridique. 2092, Rio. Et à ce moment-là, je décide de faire un travail... sur la terre vue du ciel, en me disant voilà, il y a de l'an 2000 qui va arriver, je voudrais faire un gros travail de fond, et je vais faire un travail qui va vraiment changer ma vie, parce que le livre va être un gros succès, je vais être reconnu, je vais faire de la télé, mais surtout changer ma vie dans tout ce que j'ai appris pendant ces 10 ans ou 8 ans où j'ai travaillé. D'abord, la population. Quand je suis né, on était à peu près 2 milliards et quelques. Aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions ou 500 millions. Bon, les chiffres ne sont pas exacts. Ça veut dire que dans ma vie d'homme, je vais avoir la population du monde pratiquement multipliée par 4. C'est absolument incroyable. Et en même temps, pourquoi ? Parce qu'on vit beaucoup plus vieux. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile. C'est fou le progrès qu'a fait l'humanité pour l'homme dans ces 50 dernières années. C'est inouï ce qu'est la démocratie. On peut faire une liste énorme. On est tous beaucoup plus riches. Voilà, on vit tous beaucoup mieux, il faut le savoir. On dépense tous beaucoup plus. Et en même temps, on a un peu oublié la nature qui était autour de nous, on n'a pas fait attention à ça. Et toutes les photos que je fais, c'est vraiment des photos pour essayer de comprendre. La barrière de corail, c'est magnifique, c'est beau. C'est vraiment... J'étais d'abord parti pour faire un travail sur la beauté du monde. Puis en fin de compte, quand vous voyez cette photo, vous pensez qu'aujourd'hui, 50% du corail du monde est mort. 50%, c'est énorme. Dû au changement climatique. Et il faut savoir que le corail, c'est très important, parce que c'est là où tous les petits poissons, c'est même une nursery, des poissons qui vont dedans. Donc chaque fois, j'essaye de faire des belles photos, mais surtout de comprendre ce que je suis en train de photographier. Forêt primaire, ça c'est en Guyane, c'est avec la France, grâce à la Guyane, a une des plus grandes biodiversités du monde. Chaque année, on déforeste, écoutez bien ce chiffre, chaque année, on déforeste en Guyane, dans le monde entier, la taille de la Belgique en forêt primaire. Je répète, chaque année, on déforeste la taille de la Belgique en forêt primaire, et souvent pour faire du soja ou pour faire de l'huile de palme. Et la forêt primaire, ce n'est pas une forêt qu'on peut replanter. Il faut des milliers d'années pour refaire une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est bourré d'animaux, c'est comme un peu comme si on effaçait un disque dur sans regarder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est très beau, c'est le graphisme. Mais ça, c'est la pire déforestation qu'il y a à Bornéo. Et même la déforestation peut être belle. L'huile de palme étant l'huile la plus consommée au monde parce que c'est la moins chère. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est une source de protéines très forte. Mais en même temps, voilà, on est en train de consommer la terre. Baleine. Alors pourquoi je vais vous mettre cette photo? Parce que c'est une photo... D'abord, c'est ce qu'on appelle... C'était une baleine franche que j'avais photographiée... en Argentine, la péninsule Valdés, une baleine franche parce que les pêcheurs disaient qu'elle était très facile à tuer, très franche, on l'approchait facilement. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la baleine franche. On a tué 1 500 000 baleines. Et ce qui est curieux,
c'est que c'est le pétrole qui a sauvé les baleines. Parce qu'à cette époque-là, avant qu'on découvre que le pétrole pouvait brûler, était une source d'énergie, que très longtemps on ne le savait pas, on brûlait la graisse des baleines. Et quand vous allez en Antarctique, sur toutes les îles qu'il y a autour de l'Antarctique, on voit toujours des usines complètement rouillées avec des énormes bidons, où tout ce qui est les animaux qui étaient bourrés de graisse, eh bien on s'en servait, beaucoup bien sûr les baleines et d'autres poissons, et même, on mettait même les manchots empereurs qui étaient bourrés de graisse. Pour faire et les villes étaient souvent éclairées, des villes modernes, avec de l'huile de baleine. C'est absolument incroyable. La recherche du graphisme, là c'est une photo, on a fait une photo assez ancienne, mais on vient de finir un film sur l'Égypte pour France 2 que vous allez voir à Noël. Le graphisme, c'est pour moi très très important. Quoi. J'essaye chaque fois dans toutes les photos que je fais de faire beau. Hein, donc ça c'est les dates qui sèchent, mais quand les dates sont dans les arbres, elles sont jaunes et en vieillissant, en mûrissant, elles deviennent marron. Ça c'est les filets en Corée sur lesquels sèchent, les vieux filets usagés sur lesquels sèchent les petites algues vertes pour faire le sushi. Ma recherche du graphisme tout le temps, très très important, essayer de faire beau. Lac Baïkal en Russie, ce qui est formidable sur ce lac, est très très profond et l'eau est très très pure, c'est que la glace est absolument magnifique. C'est la plus grande réserve d'eau douce du monde. Le lac Baïkal, c'est 20% de l'eau douce au monde. C'est incroyable, un lac seulement en Sibérie. Il fait 1600 mètres de profondeur. Alors quand je travaille, quand je fais de la photographie aérienne, quelquefois je suis très très près. À cette époque-là, j'utilisais beaucoup d'hélicoptères. Très très. Il faut dire qu'à cette époque-là, dans les années 90, on ne parlait pas de changement climatique du tout. Jamais personne ne m'a reproché de prendre un hélicoptère, je faisais la Terre vue du ciel. C'était vraiment. Et même quand j'ai fait l'exposition en l'an 2000, on ne m'en a jamais parlé. C'est vraiment venu avec Al Gore. Et c'est moi le premier qui en ai parlé. Yves Mansillon le sait bien. Ça, c'est une photo, par exemple. Je suis descendu avec l'hélicoptère, ça doit faire 5 mètres sur 3. Mais c'est l'eau en Islande, l'eau qui arrive des glaciers, qui est très très bleue, avec le rouge de l'eau qui a du fer. Donc je vois ça et je m'approche et je fais des. Vous voyez, c'est comme des tableaux incroyables, là, je suis assez près. Puis quelquefois, le lac Magadi au Kenya, c'est un peu la même chose, c'est de l'eau, c'est du sel. Mais là, par exemple, je suis très très haut, on voit les flamants roses qui sont à droite. Parlons des flamants roses, par exemple. Ça, c'est une photo que j'ai faite dans les années 85. Ce sont les flamants roses au lac Naku. À cette époque-là, ils étaient 800 000. Aujourd'hui, ils sont plus que 200 000. Pourquoi ? Ce n'est pas la pollution. Toutes les fleurs que vous achetez l'hiver en France, toutes les fleurs. On ne fait pratiquement plus de fleurs en France, en tout cas des fleurs l'hiver. Toutes les serres dans le sud de la France ont été fermées, ça coûte trop cher. Toutes ces fleurs arrivent d'Éthiopie, arrivent du Chili, arrivent du Kenya. Et autour du lac Nakuru, il y a des milliers de serres, des centaines de serres, comme des milliers de gens, pour faire des fleurs pour nous. Il y a Amsterdam, qui est le plus grand hub de fleurs du monde. Tous les jours, il arrive des avions bourrés de fleurs. Et ça, il faut y penser quand on achète des fleurs l'hiver, d'où elles viennent. Bien sûr, ça donne aussi du travail aux gens. Et aussi, c'est bourré de pesticides. Il y a une étude, il n'y a pas très longtemps, que sur les fleurs, c'est que les fleurs sont interdites dans les hôpitaux, hein, c'est que c'est bourré de pesticides. Les fleurs, c'est vraiment inconsommable, parce qu'on met énormément de produits à l'intérieur. Une réflexion sur notre croissance. Vous voyez, ça nous paraît facile de faire venir un bouquet de fleurs qui arrive du Chili ou qui arrive d'Éthiopie. Hein, c'est ridicule. Quand on parle aujourd'hui de le poids de carbone d'un bouquet de fleurs, c'est en même temps que ce que vont devenir ces fleuristes. Voilà, donc il y a une tour de réflexion, l'emploi, la croissance, le pouvoir d'achat. Ça, c'est une photo que j'ai faite aussi dans les années 80, assez ancienne, avec un petit Cessna. Photo que j'aime beaucoup de tous ces chemins, tous ces animaux, c'est surtout les éléphants qui allaient à l'ombre. Mais quand vous parlez d'éléphants aujourd'hui, il y a un chiffre qui fait aussi froid dans le dos. Les éléphants, ils étaient 20 millions au début du siècle dernier, 20 millions. Aujourd'hui, ils sont 350 000 et on perd chaque année 10% des éléphants sauvages. 10% chaque année. Les scientifiques parlent de la disparition inévitable des éléphants. Inévitable. Et pour vous dire que si vous avez été au Kenya, vous êtes passé près d'un troupeau d'éléphants, c'est un truc inouï, un éléphant. Quoi. C'est un animal, c'est complètement hors du temps. On a l'impression que c'est magique. Quoi. C'est un animal en plus qui n'est pas, dangereux, qui n'est pas carnivore, donc un animal assez pacifique. Mais bien sûr, l'éléphant, l'Afrique, elle a une démographie incroyable. Un éléphant, ça dérange. Ça dérange plus que le braconnage, plus que l'ivoire, surtout les éléphants dérangent les cultures. Quand j'étais au Kenya, dans la réserve où je travaillais, de Nairobi au Masai Mara, c'était pratiquement que de la savane. Aujourd'hui, c'est clôturé, il y a du blé, il y a du bétail, la croissance, nourrir les gens, gagner plus d'argent, voilà.
C'est ce qui est normal, on est tous, les Africains sont comme nous, et donc malheureusement les animaux sauvages ne cohabitent pas encore avec l'homme, surtout des gros animaux. Il y a aussi un chiffre que je voulais vous dire, selon le WWF, écoutez quand même ce chiffre, quand même, c'est quand même inouï, le WWF dans son dernier rapport de cette année estime qu'on aurait perdu 60% du vivant en 40 ans. 60% du vivant en 40 ans. C'est des chiffres qui font froid dans le dos. Ulaanbaatar, donc c'est en Mongolie. Bien sûr, moi, quand je fais de la photographie aérienne, je photographie les villes. Quand vous êtes faire des photos des villes, une ville, c'est quand même un peu comme une fourmilière dans la forêt. Il n'y a pas d'un côté les villes et puis d'un côté la nature. Les villes font vraiment partie de ce que j'ai envie de photographier. Pour moi, font partie de la nature. Il faut savoir, écoutez bien ce chiffre, 3 millions de personnes rejoignent les villes toutes les semaines. 3 millions de personnes, vous imaginez le nombre de gens que ça fait ? 3 millions de personnes. Pourquoi ? Parce que les gens les plus pauvres du monde sont des paysans. 60%, 75% des gens les plus pauvres du monde sont des paysans. Et donc, on rejoint les villes pour trouver du travail, pour être ensemble, pour peut-être souffrir ensemble. Et j'ai vu énormément de bidonvilles dans mon travail, énormément, et beaucoup de problèmes d'assainissement. Parce que bien sûr, dès que vous avez deux, il n'y a aucun problème d'assainissement. C'est le problème principal. Et qu'est-ce que c'est qu'un bidonville ? C'est un endroit qui vit dans un endroit où vous n'avez pas d'acte de propriété, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau courante. C'est un peu la définition de bidonville. Il y a environ 1 milliard de gens, selon les Nations Unies, qui vivent dans des bidonvilles. Vous voyez les villes américaines, ça montre bien comment les gens veulent vivre aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand vous allez aux États-Unis, tout autour de toutes les villes, on voit ces maisons-là, alors avec des piscines. Vous voyez que les gens ne déplacent qu'en voiture, dans des grands centres commerciaux. C'est vraiment très intéressant quand vous passez, vous voyez des photos africaines, comment les gens vivent, et d'un seul coup, vous arrivez là, on voit bien... Ce qu'on peut faire, en fin de compte, c'est le pétrole qui nous a amené ça. On en parlera tout à l'heure, c'est les énergies fossiles. Le graphisme encore. Alors ça, c'est un graphisme qui est peut-être moins beau et moins intéressant, mais aussi toujours passionnant. Ce sont les avions qui bombardaient le Vietnam pendant la guerre. Et les Américains, dans un énorme, près de Phoenix, Arizona, il y a un énorme cimetière d'avions gigantesque avec des milliers d'avions qui sont stockés là, qui serviront bien sûr jamais. Il faut savoir que les dépenses militaires mondiales du monde, c'est 1676 milliards. Ça, c'est un chiffre qui a 3 ans, à mon avis, il a dû augmenter. 1676 milliards de dollars. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent pour lutter contre la pauvreté, pour l'éducation ? J'avais écouté une conférence formidable en Italie, le gars qui est médecin, pas Médecins sans frontières, je ne sais plus comment s'appelle l'association, mais qui est très connu en Italie, qui disait on devrait interdire la guerre. Les Nations Unies devraient arriver à interdire la guerre. Mais en même temps, dans le Conseil de sécurité, 95% des armes vendues dans le monde sont vendues par les gens qui sont au Conseil de sécurité. Et mon pays, la France, qui est le pays des droits de l'homme, est le 3e vendeur d'armes au monde. Vous voyez ce paradoxe, cette incohérence totale dans laquelle on vit, que je vais retrouver en permanence. Sanaa, Yémen. Aujourd'hui, on bombarde le Yémen avec des armes qu'on a vendues à l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une photo que j'ai faite à Alep, juste avant la révolution. Et ça, c'est une photo qu'on m'a envoyée hier d'Alep, d'un même endroit qui avait été bombardé. Damas, avant la révolution. Quand on voit tous ces satellites qu'il y a sur tous ces toits des maisons, la vraie révolution de notre siècle, moi, quand j'étais gosse, je m'imaginais qu'en l'an 2000, les voitures voleraient dans la rue, voilà, ou on serait livré en drone par Amazon, c'est ce qu'on raconte maintenant, ce qui est absolument impossible. Mais la vraie révolution de notre siècle, c'est la communication. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le Masai Mara, photographier les lions, vous entendez les gens « Oui, salut mamie, je regarde les lions, je suis au Kenya. » C'est incroyable la communication. Moi, quand je vais appeler ma famille quand j'étais au Kenya, il fallait prendre un rendez-vous sur les ondes courtes. Aujourd'hui, moi, je m'occupe d'un petit orphelinat à Brazzaville, quoi, je m'occupe. Disons que j'aide la bonne sœur qui s'en occupe de trouver un peu de moyens. Les gosses, ils m'appellent sur WhatsApp. Et les enfants, ils savent très bien comment on vit. On en parlera tout à l'heure. Ils savent tout du monde sur leur ordinateur. Et les gens de Damas aussi, ils le savaient. Il faut penser à ça quand on voit les révolutions actuelles et cette envie de démocratie, envie de liberté. Ce que je voulais aussi vous dire, il y a 30 000 chaînes de télévision dans le monde. 30 000 chaînes de télévision, vous imaginez ? Et il y a 7 milliards d'abonnements de téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 2 abonnements. Officiellement, il y a 7 milliards d'abonnements de téléphone. Alors la glace, bien sûr, la glace, c'est le...
C'est le témoin de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et en ce moment, il y a une accélération, depuis quelques années, une accélération de la glace qui est incroyable. Ça, c'est le passage nord-ouest. Vous savez qu'avant, quand les bateaux étaient dans le Pacifique, ils voulaient aller du côté atlantique, ils passaient par le canal de Panama ou par Ushuaïa. Aujourd'hui, ils peuvent passer par le nord. Et de plus en plus, les bateaux, il y a un premier conteneur commercial qui est passé cette année par le nord. Donc, c'est un nouveau passage. Sans parler du fait qu'il y a énormément de gaz, de pétrole là-dedans. Donc, tout le monde s'y intéresse. Alors, la grosse différence, je le dis chaque fois parce que peu de gens le savent, ça, c'est la glace de l'Arctique. Et ce n'est pas la même chose que la glace de l'Antarctique. La glace de l'Arctique, c'est l'eau de mer qui a gelé. Donc ça, si cette glace fond, c'est grave pour la biodiversité, c'est grave pour les ours blancs, mais ça ne va pas faire monter le niveau d'eau. Hein. La grosse différence, Arctique, de l'eau de mer, et Antarctique, de l'eau douce. Le Groenland, par contre, c'est de l'eau douce. Aujourd'hui, il y a une accélération incroyable de la glace en Antarctique, au Groenland. On estime que le Groenland fond 7 fois plus vite que les années 80. Si le Groenland fond, rien que le Groenland tout seul, l'eau, elle monte de 7 mètres. Rien que le Groenland, je ne parle pas des glaciers, je ne parle pas de l'Antarctique. Il faut imaginer ce qu'on a mis en route, là. Ça ne va pas être demain, mais il faut y penser. Ces morceaux de glace, ça s'est fait au Groenland, c'est assez extraordinaire, parce que c'est vraiment des œuvres d'art quoi, qui se promènent comme ça, cette glace qui fond, même si c'est assez terrifiant. Et ça, donc, c'est l'Antarctique. Pareil, il y a une augmentation de 3 à 4 fois plus de fonte de l'Antarctique aujourd'hui. C'est tous les chiffres qui sont sortis là au début de l'année. Avec 3 ou 4 degrés en plus, si les scientifiques ont raison, l'eau monterait de 15 à 20 mètres. 15 à 20 mètres. Et on parle entre 6 et 7 degrés ou 5 et 7 degrés à la fin de notre siècle. 20 mètres. Vous imaginez la différence ce qu'on a mis en route. Et c'est difficile d'arrêter cet emballement, parce que plus ça fond, ça augmente la fonte. Il y a une espèce d'emballement de la fonte en ce moment qui se passe en ce moment. Kilimanjaro, que j'avais fait il y a quelques années, sans glace. Énergie fossile. Vous êtes bien au courant de tout ça. On estime qu'on donne 10 millions d'euros par minute de subventions aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est absolument incroyable. On sait que les énergies fossiles sont responsables du changement climatique. Plus personne aujourd'hui en discute. Et pourtant, chaque année, on en consomme de plus en plus. Au moment où j'avais fait mon film Home, on consommait 85 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Aujourd'hui, on a perdu la bataille contre le changement climatique puisqu'on consomme chaque fois de plus en plus d'énergie fossile. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Exactement le contraire. C'est absolument incroyable. Le charbon, aujourd'hui le charbon est redevenu, vous voyez, 40% plus d'augmentation depuis 5 ans du charbon sur l'électricité, est redevenu aujourd'hui une énergie importante, et pourtant le charbon c'est ce qu'il y a de pire. Le charbon tue beaucoup, beaucoup plus, bien sûr, que le... Je ne suis pas un pro-nucléaire, hein. Même si quelque part je me dis qu'aujourd'hui quand même c'est mieux que du charbon ou des énergies fossiles, les mines de charbon tuent énormément de gens, sans parler de la pollution. Alors les éoliennes, je ne vais pas vous parler d'éoliennes parce que vous êtes tous dans les éoliennes. Moi, je trouve que c'est beau, les éoliennes. Je passe mon temps à me battre dans les dîners quand je parle avec mes amis. Ouais, c'est moche, les éoliennes. Et vraiment, il y a une espèce de... Je ne sais pas ce qui s'est passé, une espèce de rejet physique contre les éoliennes. On pourra en parler tout à l'heure. On n'est pas les meilleurs sur les éoliennes en France. On est le quatrième en Europe et on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus. Et moi, j'aime bien les éoliennes. Et je me demande, c'est toujours pourquoi on ne travaille pas plus sur les hydroliennes. Il y a des gens qui travaillent sur les hydroliennes ici. Je me dis, la force des marées est tellement incroyable, pourquoi on ne se sert pas de cette énergie? Et là, on a fait des posters sur les ODD, et je cherchais des photos d'hydroliennes, je n'en ai pas trouvé. Et je voyais toutes les boîtes qui font des hydroliennes en France, j'ai vu que Naval Group avait déposé le bilan de la boîte qu'ils avaient à Cherbourg. Véritablement, c'est quelque chose dont on ne s'est pas assez servi, alors que c'est une énergie incroyable. Et puis, là, bien sûr, l'énergie, les éoliennes offshore, j'y crois énormément, ça c'est des photos faites au Danemark. Et je suis ravi de vous parler ce matin, parce que je pense que les éoliennes, c'est important. Alors les paysans, bien sûr, que dans mon travail, les paysans me dessinent sur le sol des dessins spécialement pour moi, peut-être, et que j'adore travailler avec les paysans, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est en Inde, des femmes qui ramassent le blé, ça ne doit pas être du blé d'ailleurs, ça doit être quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes font 50% du travail du monde et ne possèdent que 2% des propriétés du monde. 50% du travail, 2%. Voilà, l'agriculture,
c'est l'agriculture de subsistance. Il y a près d'1,4 milliard de personnes qui le font. C'est une agriculture où on ne vend pratiquement rien pour nourrir sa famille. Et c'est vraiment une agriculture de survie, quoi. Et il y a 1,4 milliard de personnes qui font ça dans le monde. Par rapport à notre agriculture à nous, où on a coupé tous les buissons pour que les tracteurs puissent passer, on met beaucoup de produits. Voilà, on est dans une agriculture intensive. Il faut savoir que l'agriculture, c'est un des troisièmes revenus français. Ça exporte énormément. Il y a un lobby extrêmement fort et on n'arrive pas à sortir de cette agriculture intensive. C'est impossible. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai fait une émission samedi soir, dimanche soir sur RTL et j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le président de toutes les coopératives qui n'avait pas du tout aimé que j'avais attaqué les élevages intensifs. Et j'en avais interrogé un gars qui est tout seul, élevait 40 000 lapins, tout seul, et qui m'expliquait sa façon de vivre. Si vous pouvez écouter le podcast sur RTL, ça, vous avez envie de pleurer quand il raconte sa vie. Aujourd'hui, l'agriculture intensive est une grande responsable du changement climatique. Il faut absolument éviter de manger de la viande industrielle. Vous pouvez manger de la viande. Qui est végétarien dans cette salle ? Une, oh là là, deux, trois. Et qui a envie de devenir végétarien ? Pas beaucoup plus. J'espère qu'après cette conférence, vous aurez envie de faire plus. Je pense que vraiment, c'est une réflexion importante qu'on peut se faire d'arrêter de manger de la viande, surtout de la viande industrielle. Et trois quarts de la viande que vous mangez, 95% est industrielle, malheureusement. Ça, c'est aux États-Unis, ce qu'on appelle des feedlots. Quand les animaux qui sont élevés dans l'herbe, beaucoup, beaucoup dans les champs aux États-Unis, eh bien, ils sont mis pendant 4 mois dans ces endroits, ils sont nourris au maïs, ce qui fait que la viande est avec des piqûres d'hormones, et ce qui est interdit en France, ce qui fait que la viande aux États-Unis, la viande est beaucoup, beaucoup plus sucrée, elle est plus tendre qu'en France, parce que ces animaux sont dans ces endroits, ces centres d'encrassement incroyables. Pour faire cette photo, j'ai été arrêté et resté 2 jours au poste, que c'est interdit de photographier. Ça sent mauvais, vous le sentez très loin. Et bien sûr, toutes les ONG du monde se battent contre le système d'agriculture. Il faut savoir que la population a doublé pendant ma vie. Notre consommation de viande a été multipliée par 8. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, on mange 8 fois plus de viande. Pourquoi ? Parce que les pays en voie de développement, bien sûr, consomment de la viande. La viande, c'est le luxe. Alors, quand on est pauvre, on ne mange pas de viande. Et dès qu'on gagne un peu d'argent, on mange de la viande. Et aujourd'hui, le plus gros consommateur de viande, c'est bien sûr la Chine, qui en mange 2 fois plus que les Américains. Ça, c'est les amandiers en Amérique. Et même les abeilles, on les élève d'une façon intensive aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement toutes, 95% des amandes que vous mangez viennent de cet endroit, en Californie. Et pour les polliniser, écoutez bien ça, il y a 1,5 million ruches qu'on déplace en camion pour les polliniser. Les abeilles, on les élève un peu comme des animaux, quand on reçoit les rennes par la poste, et on élève les abeilles. C'est plus les abeilles sauvages, c'est absolument incroyable. 30% des abeilles vont mourir, parce qu'il y a des produits, on va les asperger et tout, mais on s'en fiche, c'est pas grave, on va les reproduire. 1,5 million ruches qui sont emmenées uniquement pour polliniser les amandiers. Et cette année, avec la perte des abeilles, il y avait un gros problème de production sur les amandes. Ça, ce n'est pas des choux-fleurs, hein, c'est du coton. Et c'est un black qui est... Alors, je faisais au Côte d'Ivoire il y a une quinzaine d'années. Quand il a vu, il s'est positionné comme ça. C'est génial parce que c'est la plus belle position qu'il aurait pu mettre. Il a vraiment compris, je voulais faire une belle image. Alors on s'est posé, après j'ai parlé avec lui. Et ça, c'était une usine, un centre où c'est du coton bio. Du coton bio ramassé à la main. Et il me racontait que ce coton bio ramassé à la main était plus cher que le coton américain subventionné par les... Parce que tous les pays riches subventionnent leur agriculture, tous, nous aussi. Donc le coton américain avec OGM, des machines, est moins cher quand il arrive en Côte d'Ivoire que ce coton bio. Aujourd'hui, de toute façon, on a complètement tué la filière textile en Afrique, parce que tous les vêtements que vous donnez, quand vous donnez des fripes, vous donnez dans des boîtes les fripes, vous savez ce que ça fait ? Ça va être vendu en Afrique, c'est revendu à des fripiers. Et dans tous les villages africains, il y a un gars qui arrive, qui vend des vêtements, et là, c'est rigolo, vous avez des vêtements du monde entier qui arrivent, chemises américaines, chemises françaises. Nos placards sont bourrés de vêtements, de temps en temps, on dit, on va donner nos vêtements, on a l'impression de faire une bonne action, c'est bien, ça se débarrasser. Je pense qu'il faut en acheter moins, hein, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, tout ce que vous donnez, les friperies, ça part en Afrique pour faire des fripes. Maintenant, on les met aussi, quelque part, quand on est abîmé, on fait des choses pour du coton et des trucs pour isoler les maisons. C'est un peu la même chose pour le maïs américain subventionné est toujours beaucoup moins cher que le maïs ramassé à la main, ça c'est au Kenya.
quand vous photographiez le monde, photographiez aussi les camps de réfugiés, et c'est quelque chose qui est très important, qu'on voit énormément. Ça, c'est le plus grand camp de réfugiés au monde. 470 000 personnes. C'est un camp qui est au nord du Kenya, entre la frontière somalienne. Il y a 60 millions de réfugiés dans le monde, et tous ces réfugiés sont surtout dans les pays en voie de développement. Ils ne sont pas dans les pays riches. Hein. En France, on a accueilli, je crois, je vais voir les chiffres ici, on a accueilli 115 000 personnes. À l'Allemagne, on avait accueilli 1,5 million avec les problèmes qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est quand vous vivez au Mali, vous vivez au Niger, en Éthiopie, vous avez ce téléphone portable, vous êtes dans un pays, et vous savez que pas si loin que ça, il y a des gens qui vivent, gagnent très bien leur vie, avec un salaire pour vous qui vous paraît une fortune. Vous avez prévu toute votre vie avec le salaire qu'on a en un an. Quand vous n'avez pas d'éducation, pas de travail, pas de démocratie, pas de service de santé, vous n'avez qu'une envie, c'est de venir dans ce pays, ce paradis que vous avez sur votre téléphone. Vous savez ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, bien sûr, on en parle beaucoup, on est paniqué par ça, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont arriver. Et cette ronde infernale d'aller vivre avec sa famille dans un endroit où on vit mieux, c'est l'histoire du monde. On a toujours fait ça. C'est normal, et je pense que si nous, on habitait là-bas, nous aussi, on aurait envie de venir dans ce espèce de paradis dans lequel on vit. On râle tout le temps, on n'est jamais content, mais on vit quand même dans un paradis. Les lois sociales en France, voilà, vous connaissez le truc. Et cette année, il y a quand même 2200 personnes qui sont mortes en traversant la Méditerranée. Donc on est prêt à risquer sa vie pour vivre mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens, ils partent avec toute leur famille s'est économisée pour qu'ils puissent partir ailleurs et envoyer de l'argent à la famille. Alors, l'an 2000, le livre sort. C'est vrai que j'ai mélangé un petit peu les dernières photos avec des photos plus récentes, mais quand le livre sort, le livre devient un énorme succès qui dépasse tous, en raison, surtout parce qu'on invente les expositions dans la rue. Il y a des gens peut-être qui ont vu cette exposition rue de Médicis à Paris. Comme aucun musée ne voulait de nous, on fait une exposition dehors et ça donne une espèce de publicité incroyable au livre. On en vend des millions et l'exposition, on en fait 200 dans le monde, 200 millions de personnes ont vu cette exposition. Et ça donnait vraiment, je suis devenu quelqu'un d'un seul coup, j'ai fait de la télévision, du cinéma. C'est vraiment cette exposition qui m'a mis devant. Quelquefois, on a des petits ennuis. Ça, c'est en Amérique. Je photographiais Katrina, vous savez, l'évacuation de Katrina en Floride. Et on a perdu le contrôle et on est tombé. Et vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Parce qu'en hélicoptère, on se tue toujours. C'est rare qu'on se blesse quand on tombe de haut. Et un miracle, on est tombé dans un arbre, je vous passe les détails. Alors on est tombé, on était un peu évanoui, et j'ai découvert de sang parce que le pilote avait saigné un petit peu sur moi, mais j'avais rien. Donc les Américains m'ont élitreillé, ils m'ont emmené sur un porte-avions, et j'étais avec mon assistant, ivre de joie d'être en vie. C'est assez curieux, je croyais mourir, j'étais vivant, donc c'était un seul coup, j'avais une espèce de bouffée de bonheur incroyable, et je voulais boire du vin. J'étais aux États-Unis, complètement paumé, loin de ma famille, loin de tout. Et j'avais envie de boire du vin. Parce que je me suis aperçu que le vin, en fin de compte, c'est beaucoup plus important que je croyais dans ma vie. D'ailleurs, c'est mes amis, c'est le terroir, c'est la France. Et du coup, ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir. Il paraît que je criais du vin, du vin. Et je me suis retrouvé le matin dans une tenue militaire, parce que j'avais plus de vêtements. Ils m'ont dit, hier, vous avez fait chier tout le monde. Bon. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec des drones. Et ça, c'est pour le dernier film qu'on vient de faire, qui s'appelle Woman, qui va sortir le 8 mars, monde entier, un film sur les femmes formidable. On a été tourné en drone à Mossoul, juste après la reprise de la ville. C'est vrai que la façon de travailler avec un drone n'a rien à voir avec la façon de travailler avec un hélicoptère. On peut vous le comprenez aisément. Et en même temps, quand vous allez dans cette ville, ou quand j'y étais quelques semaines après la libération, il y avait des milliers de civils qui sont encore enterrés, ça sentait la mort. Et des avions français ont bombardé Mossoul. Alors je ne porte pas de jugement sur le pourquoi il fallait le faire, mais c'est une question que je peux me poser. Toujours pareil, comment mon pays peut être le troisième vendeur d'armes au monde? J'ai aussi beaucoup travaillé sur les animaux, sur les races d'animaux qui disparaissent aujourd'hui. Par exemple, la vache Holstein, qui est la vache qui fait 80% du lait, n'existait pas en France avant 1950. Cette vache qui a été importée du Canada, qui a été conçue génétiquement pour faire du lait. Et donc, beaucoup de ces petites races domestiques disparaissent. Et ça m'intéressait de faire un sujet là-dessus. Donc, j'ai travaillé là-dessus très longtemps. J'ai figé un studio. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les Français. C'est un travail que je continue. Ça, c'était L'Express m'avait demandé de photographier un boucher. Mais je me suis pas dit que mon boucher ressemblait vraiment à un boucher, quoi.
que l'épicier est la même chose. Et donc, tout autour de moi, en fin de compte, mon médecin, c'est assez facile de trouver des archétypes des métiers français. Et mon président ressemblait à un président. Et même les gilets jaunes ressemblent à des gilets jaunes. Alors, j'ai fait aussi un livre sur les chevaux. Donc, c'est vraiment un travail que j'ai fait en parallèle et que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Et on continue à le faire. Puis, un jour, je rencontre Luc Besson qui me dit est-ce qu'il ne veut pas qu'on fasse un film ensemble? Et tout ensemble, on a peut-être vu un film que vous avez peut-être vu qui s'appelait Home, il y a 10 ans. Ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. Alors, quand j'ai fait ce film, je pensais qu'on allait pouvoir changer les choses. Il y a 10 ans, on pensait vraiment qu'on allait pouvoir changer. Il y avait le film d'Al Gore qui était venu. C'est lui qui m'a donné de faire ce film Home. Et on essayait toujours de penser qu'on allait essayer de changer. En fin de compte, on n'arrive pas à changer. Cette espèce de... On est complètement... cette tyrannie de la croissance nous empêche d'avancer dans le bon sens, en tout cas. Parce que notre civilisation est vraiment... Le socle de notre civilisation, c'est la croissance. Et donc voilà, la civilisation ne peut s'écrouler que si on change notre système de croissance, et je pense que ça va être extrêmement compliqué, que surtout nous, on pourrait le faire, on n'est pas capable de le faire, alors comment des pays en voie de développement peuvent le faire? Alors, il faut avoir conscience de ça, je l'ai encore dans ma tête, mais aujourd'hui, c'est vrai que je me suis tourné beaucoup plus vers l'humain, et j'avais envie de faire un film qui s'appelait Human. Quelqu'un a vu Human ici? Vous avez vu ou pas? Ah, il y a encore des gens qui peuvent le voir, c'est formidable. C'est sur YouTube, je vous conseille de le voir. On est parti autour du monde photographier les gens. Parce qu'un jour, je me suis arrêté dans un petit village de comme ça, un petit village en Afrique. Agriculteurs de subsistance, des gens qui travaillent tous les jours comme un sacrifice quotidien, travaillent la terre pour nourrir leur famille et qui ont très peur de la maladie, que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas nourrir votre famille, qui ont peur du climat, parce que si le climat est mauvais, ben voilà, ça ne pousse pas, il y a la famine. C'est des gens qui ont connu la famine, ils savent ce que ça veut dire, quoi, d'avoir faim. Nous, on ne sait pas ce que c'est d'avoir faim, vraiment faim. Donc, c'est des gens qui sont... Et j'ai passé un moment formidable, ils m'ont raconté leur vie en ne me demandant rien. Et je me suis dit, dans mon travail, il me manque la parole des gens. Et on avait fait ce travail 6 milliards d'autres, et on a fait ce film qui a fait Human, qui est peut-être le meilleur film que j'ai fait, je vous conseille de regarder. C'est le président d'Uruguay, président de la République, qui a été envoyé par Fidel Castro. C'était un combattant pour combattre le Condor, l'extrême droite au Brésil, en Argentine, en Uruguay. Et il est devenu président. Et voilà alors il a passé presque 10 ans en prison. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui sur notre façon de vivre. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos. Más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos tiempo, tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje,
porque la felicidad está dentro tuyo. O no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Alors on avait interrogé beaucoup d'hommes politiques. C'est assez incroyable ce qu'ils racontent. Hein. Et tellement plein de sens, quoi. On passe notre temps à acheter, et pour acheter, il faut qu'on travaille. Et c'est un peu notre vie. Alors, il faut aimer son travail. Quand on aime son boulot, ça va, mais quand on l'aime un peu moins. Bon, je vois que ça vous marque pas. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve absolument brillant. Et c'est le seul homme politique, si Macron pouvait parler comme ça, ça serait génial. Après, on va vous parler d'une autre interview, ce qu'on appelle les intouchables. Les intouchables, c'est une caste en Inde. Ils sont 160 millions. C'est vraiment la dernière caste où les gens vraiment sont... Ils vivent dans une extrême, extrême pauvreté. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de terrain qui leur appartient. Le maître d'école ne parle pas aux enfants. Ils vont se plaindre à la police ne les reçoit pas. Et on fait beaucoup d'interviews, bien sûr, de gens. Et j'avais demandé, toujours à la fin de l'interview, les interviews assez longues, qui durent une heure et demie, toujours à la fin des interviews, est-ce que vous avez quelque chose à dire au monde ? Elle avait fait un espèce de message incroyable aux politiques du monde. Et on l'a présenté, ça, aux Nations Unies, devant tous les présidents. La UN Week, vous savez, la semaine où tous les chefs d'État se réunissent aux Nations Unies, et sur un grand écran, voilà ce qu'elle leur a dit. Qui va nous aider, hein? Et pourtant, l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Ces gens-là, ces intouchables dans ce village, l'hiver, ils vont chercher dans le trou des rats les réserves qu'ont fait les rats pour l'hiver, pour se nourrir. C'est une pauvreté comme jamais vue. Et qui est acceptée par tout le monde au quotidien. C'est une pauvreté chronique. Leurs parents étaient pauvres, ils seront pauvres, leurs enfants seront pauvres, et c'est accepté. Voilà, elle s'appelle Ekama Devi. Alors là, depuis 2 ans, on travaille sur un film formidable qui s'appelle Woman. C'est la même chose qu'on a fait, mais on a interrogé que des femmes, 2000 femmes dans le monde, et c'est un film qui va sortir le 8 mars dans le monde entier. Voici un petit teaser.
Je suis une femme très gentille. I am a creative woman. Ndi umugore nkunda amahoro. I am a wild woman. Me siento una mujer. Ndi umukobwa, ndi umugore w'agaciro. Simple, complicado. I'm a happy, strong, crazy woman. Ako ay isang matiisin na babae. Uma mulher atrevida. Bansaw astim ko ng mga. Empática, sensível. Dinâmica, solo. Mi-ar trebui o zi întreagă ca să vă spun jumătate din calitățile pe care le am. Te fie de moi, je me regarde, je te mets, donc, mais je suis belle. Pourquoi est-ce que je doute? Vi el inodoro lleno de un rojo carmín. Mamá, mamá, ya me bajó. I had my first orgasm and thought I was having a brain hemorrhage because it was just woo. This little tiny heartbeat and this little bean that was in there, and I was like, wow. And that was really, like, it's really real. There's somebody there. On disait pousse, je pousse, on disait respire, je respire. J'avais le contrôle. Si ta orchestra là, tu m'en as un scotch for me. Une massage, c'est ça. Like, nang do, hindi ko blaka hambal, hindi ko ka express kay siyempre. Do, doon ko sa baga ang ginhambal na nanda nga love at first sight lahat. Kanibus niya ako, nibus niya ako, nibus niya ako. Pues ya me hace sentirme bonita. My husband told me, well, look at yourself in the mirror. And then you'll know why I'm not attracted to you anymore. Sen benden ne istiyorsun kadınım diyeyim. Senin fazlalığın gibi diyebilir misin ki benim senden fazlalığım budur. It took me long to realize that I would die in this relationship. If I didn't leave, I would die. The bravest thing I've done was to stand in front of an audience and say, I'm a survivor of sexual violence and human trafficking. I'm empowered here for my baby. It's simple. Kung hindi ko pag-voice out, kung ipakita ang ako niya kapasidad. Women have opened their eyes. The women will fight for their rights. Que yo lo haya hecho en rote. Mi madre que bueno, sí. Mutta just tätä kenno fälli, mitä te meento aimuskilta saa. Alors voilà, vous avez compris que c'est un film pour moi important. Enfin, je crois que tout le monde a compris. Ce film sortira le 8 mars, monde entier, moi des femmes. Alors, j'ai la chance formidable d'avoir une fondation à Paris qui s'appelle Good Planet. Est-ce que quelqu'un est déjà venu à la fondation Good Planet, ici? Combien? Relevez bien la main, là, que je vois. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent venir. Alors, c'est un endroit formidable qui est gratuit, ouvert à tous, où on monte sur deux étages. Vous pouvez y aller ce week-end. Il y a deux étages, il y a des vidéos. En ce moment, c'est sur les océans. Il y a une collection d'instruments de musique. Et on parle aussi bien des abeilles qu'on va parler des réfugiés. C'est ouvert à tous. Ça, c'est une expo de Salgado qu'on vient de retirer. On a une exposition de Mathieu Ricard qu'on a inaugurée la semaine dernière. On parle des abeilles. C'est vraiment un endroit magique que je rêvais de faire, où règne un peu l'utopie, la bienveillance, la gentillesse. On a 350 bénévoles qui viennent nous aider, vous imaginez, comme c'est formidable. C'est Mohamed Younous qui était venu parler de microcrédit avec beaucoup, beaucoup de gens. On a un endroit où on fait des concerts de musique. On vient d'ouvrir une école de cuisine, ce qui est formidable, car à travers la cuisine, c'est une chose qu'on fait trois fois par jour et dont on explique comment manger d'une façon raisonnable et responsable. Voilà. À la Fondation, par exemple, on fait vous savez, les ODD. Les ODD sont les objectifs de développement durable qui ont été signés par les Nations Unies. Je crois tous les pays ont dû signer ça. Et donc ça, on envoie dans toutes les écoles de France à partir du mois de la fin d'octobre. Donc c'est maintenant des posters. Donc, si vos enfants n'ont pas dans leurs écoles des posters, il faut qu'ils le réclament auprès de leurs profs en allant chez Canopé. Canopé, c'est l'endroit où les profs vont chercher les livres. Il faut demander au Canopé quels sont les. Il y a 17 posters envoyés dans toutes les écoles de France. Ça a été fait avec la MAIF. On vient de faire un livre aussi. Pareil sur les ODD, vous voyez le petit logo à droite, c'est le logo des ODD des Nations Unies, sur comment les animaux eux-mêmes font du développement durable depuis très longtemps.
Et puis aussi, en la Fondation, on est les spécialistes de la compensation carbone solidaire. Quand vous prenez l'avion pour aller à l'étranger, j'espère que vous ne prenez pas l'avion en France, malheureusement, on prend encore beaucoup parce que c'est moins cher que le train et plus commode, mais je pense qu'il faut s'obliger vraiment à prendre le train quand on peut. Et avec les déchets d'animaux, les excréments d'animaux, on arrive à donner de l'énergie à des paysans qui n'ont pas d'énergie, qui font ça avec du kérosène. Et on en fait 21 000, on est en train d'en construire 21 000 en Inde. Donc on donne à 21 000 familles, vous imaginez le nombre de gens. Et quand vous prenez l'avion, vous pouvez aller sur le site Good Planet et compenser ce qu'on appelle la compensation carbone solidaire. Pour nous, c'est très important. Il y a une grande expo en ce moment à la Grande Arche. Et si vous voulez aller à aider la Fondation, on fait une grosse vente aux enchères de toutes ces photos. Il y a 260 photos qui vont être vendues au profit de la Fondation très vite. Petite histoire assez rigolote. Un jour, je reçois un appel du Vatican qui me dit... Alors, j'avais essayé d'abord de faire une interview du pape dans Human. Impossible d'avoir le pape, c'est important, il ne donne pas d'interview, on appelle tout le monde, c'est comme la reine d'Angleterre. Bon, impossible de faire une interview du pape. Et un jour, je reçois un appel du Vatican. Est-ce que vous voulez faire une interview du pape Non, est-ce que vous voulez mettre en image une interview qu'il fait sur les... Il fait un petit film tous les mois sur la... Il est très impliqué dans la protection de la nature. Et il m'envoie un film avec... il parlait à un bureau d'une façon très triste. Je dis, mais c'est épouvantable. Moi, je ne peux jamais faire un film avec ça. Alors, je dis non, mais je dis, moi, je veux bien. La seule condition, c'est que je vienne filmer le pape. Je pensais que vous alliez me dire non. Puis on reçoit un appel une semaine après. Ben, vous pouvez venir, vous allez filmer. Vous pouvez venir filmer le pape. Alors, j'arrive au Vatican le soir. Je visite le Vatican partout. Là, c'était pendant les vacances en juillet. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était génial. Il n'y avait personne dans le Vatican. On trouve un endroit. On installe une chaise dans le jardin. Le matin, le pape arrive. Super sympa. Vraiment, j'étais étonné. Alors, je dis, mais comment je dois vous appeler Votre sainteté, dis, appelez-moi Père François, ça sera très bien. Et je le mets devant la caméra, et il avait un grand prompteur, avec un grand prompteur à l'ancienne, écrit en très gros sur un papier. Je dis, mais Père François, plus d'énergie, plus... Alors, il y a le gars à côté de moi, il me dit, attention, vous parlez au pape, quand même. Et voilà la vidéo qu'il a faite, qui est très sympa. Ça doit venir après, d'ailleurs. Hein. Buen día. Hoy le quisiera hablar de algo que es muy importante y me pesa en el corazón. Hablar de los océanos. Los océanos contienen la mayor cantidad del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes. Muchos de ellos amenazados por diversas causas. Y no nos damos cuenta o no nos queremos hacer cargo. No olvidemos que de dos respiraciones que yo hago, una es por los océanos. Hace un mes recibí un grupo de pescadores. Siete de ellos me dijeron lo siguiente. En los últimos meses recogimos 6 toneladas de plástico. Eso es la muerte de los océanos, es la muerte del todo viviente, es mi muerte. Creación es un proyecto de amor de Dios hacia la humanidad. Un enfoque
interdisciplinario para afrontar las amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares nos va a ayudar a afrontar este gran desafío. Y aquí se juega nuestra supervivencia. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Alors, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ce pape. Parce qu'il est vraiment... et je pense qu'il peut changer. Et je crois aussi, en pape, je crois aussi en la petite Greta. C'est incroyable ce que Greta a réussi à faire, vraiment en très peu de temps, mettre des millions de gens dans la rue. C'est assez extraordinaire, une fille de 16 ans, ce qu'elle arrive à faire. Alors, elle est bien sûr critiquée, elle est un peu le paratonnerre, que j'appelle un peu les vieux cons, qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Elle a 16 ans, quoi. Souvent, elle peut être maladroite, mais elle parle avec son cœur. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle souffre quand elle parle. Et moi, chaque fois, elle m'émeut beaucoup. Alors, mon arrière-arrière-grand-père, il faisait des livres sur les voyages. Il publiait les livres de la Pérouse, des livres extraordinaires, où il montrait les animaux qui existent encore. Ces animaux sont encore là. Et je me dis, mais est-ce que mes petits-enfants, ils pourront voir les lions que moi j'ai étudiés, à lesquels j'ai travaillé, est-ce qu'ils pourront les voir eux aussi? C'est vraiment une question que je me pose. Et la question n'est pas évidente, bien sûr. Parce que les lions, aujourd'hui, ils sont vraiment devant un avenir très incertain et très noir. Par exemple, les guerriers Maasai, qui avant les tuaient à la lance pour faire des coiffures, aujourd'hui, ils les empoisonnent. C'est beaucoup plus facile d'empoisonner des lions. Donc les lions sont devenus beaucoup plus agressifs, comme ils ont moins à manger. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se passe. Et puis, quand dans tout mon travail sur le monde, sur les gens, et je ne suis pas devenu quelqu'un de pessimiste, je réponds, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et ça dépend comment j'ai dormi. Si j'ai mal dormi, je suis pessimiste. Si j'ai bien dormi, je suis optimiste. Est-ce qu'on va arriver à changer le monde? C'est un peu comme un match de foot, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut toujours avoir un miracle qui peut se réveiller, même si c'est de moins en moins, j'y crois de moins en moins. Et souvent, à la fin de l'interview, on pose une question qui est « Quel est votre rêve le plus incroyable? Quel est de votre vie votre plus grand rêve ?» Or, les gens, c'est devenir riche, ne plus avoir faim, bon, que ne mourir avant mes enfants, bon, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et puis, c'est cette femme, ce n'est pas celle-là exactement, mais c'est une autre. « Quel est votre rêve le plus fort ?» Et elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire qui me poursuit tous les jours. « Je voudrais mourir avec le sourire. » Mourir avec le sourire. On va tous mourir ici. Et d'accepter sa mort, et d'accepter que dans sa vie, on est, et pense que pour accepter sa mort, ben, il faut faire une vie pleine d'amour, en fin de compte. Plein d'amour, d'amour sur ce qui nous entoure. Et je pense qu'il y a, car je pense qu'il n'y a que l'amour qui peut sauver le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Yann Arthus-Bertrand, pour ce témoignage poignant, cet invite au changement. Merci beaucoup. Je crois que vous devez nous quitter tout de suite. Oui, malheureusement, j'ai un rendez-vous très important à ma fondation. Je vais arriver très en retard si j'ai même arrivé à mon rendez-vous. Donc, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt. Venez à la fondation. Si vous voulez recevoir les dépêches de la Good Planet, vous pouvez me donner votre carte de visite si vous en avez une avec moi. Je sais que mon assistant dit non, pas question, mais donnez-moi vos cartes de visite si vous voulez. Je vous inscrirai aux dépêches de la fondation. Et venez à la fondation. Vous pouvez aussi organiser, si vous avez envie, une conférence sur les éoliennes à la fondation. Vous êtes le bienvenu. On a des salles de conférence, on a une salle de cinéma. Vous êtes tous le bienvenu, bien sûr, le faire. C'est gratuit, ouvert à tous. Et je vous aime. Voilà. Merci à vous. Effectivement, on peut encore l'applaudir. Alors, Yves, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît?